Dans 3, 2, 1, action! Ok, génial. Super. Tout le monde sauf lui. Je l'ai pas validé, tu le sais très bien. Tu es littéralement la dernière personne sur Terre que j'ai envie de voir. Je suis à deux doigts de te gifler, là, ça me démange. Je serais pas contre l'idée dans un environnement moins dangereux. Tu t'es volatilisé. Pas un coup de fil, pas un message. C'est pas que j'ai pas voulu m'excuser. Te justifie pas, c'était juste un flirt. Alors, comment tu vas? Ah, les cascadeurs, je déteste vos conneries de pouces en l'air. Je suis la réelle. Je vais le mettre en feu. Toi, t'es un cascadeur. Il faut qu'on reste super professionnel. Professionnel, c'est mon surnom. Ah ouais, je croyais que c'était danger. C'était comment, boss? Bah. Carrément. Ouais. Un flingue avec les doigts. Je l'ai rangé, ça y est. Fais comme si t'avais rien vu. Tom Ryder, la plus grande star de films d'action du monde, a disparu. Il faut que tu le retrouves, sinon le film de Jodie est fichu. Pourquoi moi? Parce que t'es cascadeur. Personne ne va te remarquer, c'est ton boulot. Le prends pas mal. Ah bah, un peu, si. Tu retrouves Ryder, tu sauves le film de Jodie, tu récupères l'amour de ta vie. Je suis pas le héros, seulement la doublure. Non, pas aujourd'hui. Tom, on a besoin de toi sur le tournage, mon pote. Oh, oh la vache! Un cadavre dans la glace? Il était méga mort, Gail. Mort de chez mort. Il s'est mis à fréquenter des gens vraiment très louches. J'ai pas eu le choix. J'étais obligé de passer en mode Jason Bourne, toi. Ils ont essayé de me tuer. Et ils faisaient pas semblant. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ça va pas le faire. C'est trop dangereux. Il y a des escaliers. Regarde. T'es blessé? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vraiment une sale tête. Et toi, t'es magnifique. Quand tu tombes, faut te relever direct. Jusqu'où tu pourrais aller pour la personne que tu aimes? Je te paierai un verre quand ce sera terminé. Contracte les abdos! Va, mon pote! Ça va te cascader! Tu fais quoi après? Tu veux aller te poser sur une plage? Boire des margaritas épicées! Et faire les mauvais choix! Oui!